Coucou à tous, je vous reviens avec une vidéo donc sur la Glossy Box du mois de novembre. Et oui, elle est arrivée très très en avance, mais elle est arrivée. Donc voilà, on va la découvrir ensemble. Donc la box, c'est de nouveau rose mat. Donc voilà, comparé à celle d'automne qui s'est sortie avec les feuilles d'automne, etc. Donc de nouveau là. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez cette fois-ci une petite carte comme ça. Et apparemment, c'est des petits... Je vais pas vous montrer, c'est des petits... Je sais pas comment vous dire, il y a des espèces de... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. C'est tout... Moi, ils ont dû l'appuyer. C'est marqué « Je vois la vue en rose. N'est-ce pas une bonne idée ? Tu sais ce qu'il te reste à faire ?» Il y a tombé, oui je le veux, il m'a rendu dingue. Ah, j'en meurs d'envie, je l'attends avec impatience. Et apparemment, il y a des trous pour accrocher dans les arbres. Dans les arbres, dans les sapins de Noël, il faut dire. Mais je ne sais pas trop, qu'est-ce que c'est ça. Ok, vous avez une petite carte, donc 10 euros offerts chez Zalando. Donc avec le code. Ensuite, la box est comme ça, c'est assez léger. Donc, il y a le petit nœud noir. Comme je viens de faire une autre box où j'étais assez contente. C'est vrai, je vais comparer. Bon, ça se monte comme ça. Découvrir ensemble. Alors, oh. Waouh, super, regardez. Donc, c'est un blush rougeur. De la marque Nikaka poudrier blush. Donc le 5 grammes, il coûte 8,95 €. Donc c'est des choses qui sont pas très chères. Ouais, c'est un full size. Romantique. Ce poudrier blush dépose la juste touche de couleur sur vos joues pour illuminer en un instant votre teint. Ne pas trop secouer le poudrier en amont. Vous avez même un petit miroir, c'est cool, pour vous voir. Ah ouais. On l'ouvre. J'aime pas ce système de plastique. On va voir comment ça s'ouvre. Ah ouais. Ah mince, j'ai ouvert le bas. Comme ça, ah oui. Pourquoi il est déjà un bébé? Bizarre, il est déjà tout seul. Bon, normalement l'éponge ne doit pas être blanche. J'ai pas compris. Ils l'ont déjà utilisé ou quoi? Ma foi. Ouais. Ça met quelque chose. Ouais, c'est sympa. Ça brille. Ouais, il y a des espèces de petites paillettes. Oui, c'est pas mal. Donc voilà pour le premier produit. C'est pas mal. Le deuxième produit. Ouh là 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 là. De la marque Essence. Un mascara. C'est rigolo ces dessins. En relief comme ça, en espèce de caoutchouc. En fait, c'est un bustier. Un bustier avec les lanières derrière, comme ça. Clotineux, c'est marrant. Donc, de la marque Essence, c'est Lash Princess Volume Mascara. Et il coûte 4,19 € le 12 ml. Et c'est un full size, à mon avis. Ouais, ils nous ont mis des full size, je crois. Ouais. Donc, je vais pas l'ouvrir. Donc, voilà pour le mascara. Ensuite, ouh, c'est quoi ça? La marque Tease. On avait déjà eu un pinceau de cette marque-là. Et c'est Head Over Heels Nail Lacquer. C'est un vernis. Impeccable, finition impeccable. C'est où ça? Tease vernis à ongles, 7 ml, 13 €. Et là, il y a
Toxic Wave, ça s'appelle la couleur. C'est bizarre parce que il est pas droit à l'emballage. Il faut l'ouvrir. Ben, je vais ouvrir. Oh, c'est beau. C'est beau. Oh, mince. Un vernis à ongles glossy. Ah ouais, parce que sur la petite carte, c'est rouge. J'aurais préféré rouge que doré. Mais bon, c'est pas mal pour les fêtes. Mais pff, c'est super. Head over heels, nail lacquer. Trendy, ouais. C'est un vernis à ongles. Ça se prend comme ça. Oh, le pinceau, il est... en tout cas, c'est très liquide, regardez. Ça coule aussi vite. Ça, c'est pas mal. Bah ben voilà quoi, pour les fêtes. Mais c'est dommage, j'aurais préféré rouge. Parce que moi, j'utilise pas trop ces choses-là. Et je vous ai dit le prix, je sais plus si je vous ai dit le prix, oui, 7 000 13 €. Donc comme on a vu, c'est. Regardez, j'ai plein de trucs noirs sur les mains, c'est bizarre. Ouais, ça doit être un. Je sais pas, c'est pas marqué. En tout cas, c'est marrant comment c'est. Ouais, c'est 7 000 litres. Comment c'était pour ouvrir, c'est sympa. Donc voilà, pour le vernis, c'est la fête. Après Love Me Green, Face Peeling, Made in France, apparemment c'est un peeling pour le visage. Et 75 ml, ça coûte 9,90 € et là vous avez un 30 ml. Donc c'est exfoliant visage à l'huile essentielle d'orange. Biologique et à l'argan élimine la peau morte et lisse le grain de peau en un instant. J'espère que c'est comme le mien que j'ai de chez Bio Beauty de Nuxe. Exfoliant à l'huile essentielle d'orange machin. Je sais pas comment utiliser. Je sais pas. Bon, c'est fermé. J'ai doit tout ça, plein de trucs noirs, je sais pas si vous allez voir. Tout des résidus, la bizarroïde là. Je sais pas pourquoi ils continuent à mettre ça. Je trouve ça, ok, ça cale les produits, mais je trouve ça tellement bizarre. Bon bref, ensuite. Anti-stress, masque soin apaisant. 12 minutes de la marque L'Action. Donc un masque, voilà. Il y a 15 milliers, donc ça vous fait quand même deux masques, mais bon, ça va sécher la langue. Et ça vaut 15 grammes, ça vaut 2 € quand même. Voilà, ça c'est le full size. C'est la première fois que j'ai un masque dans une glossy box. J'ai jamais eu de masque. Donc à voir. Je connais pas cette marque. Et en cadeau, nous avons une pince à épiler qui est super mimi. C'est une espèce de pochette avec le petit nœud comme ça de la marque Philosophie. On va dire philosophie, ils ont dit philosophie. Et ça coûte quand même 8,90 € la pince à épiler. Donc voilà. Ultra glamour et fantasy. Cette pince à épiler glossy vous séduira à coup sûr à glisser dans votre sac à main pour des retouches. Oui, moi j'adore les pinces à épiler. J'espère que celle-là ne casse pas le poil. Pas la tendance à casser les poils, ouais. C'est métallique comme ça, mais elle est mignonne. Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà les filles, hein, pour cette glossy box. Donc des découvertes, des découvertes, des découvertes. Donc vous avez le mascara essence, la petite pince, vous avez le vernis de la marque Diz. Dommage que ce soit pas un rouge. Le blush de la marque Nikaka, que je connais pas du tout, donc voilà, c'est une découverte. Et le petit exfoliant et le petit masque, donc voilà, en fait, pour vous faire une beauté avant les fêtes, ou je sais pas, en tout cas le thème, il n'y a pas de thème. C'est juste des petites cartes comme ça, voilà, il n'y a pas de thème cette fois-ci. Ça aurait dû être une box de décembre, ça, à mon avis. Je sais pas, j'ai pas compris, là. Parce que les petits trous, pour pouvoir les accrocher, mais quel est l'intérêt ? Ah, voilà.
Le thème, c'est Let's Get Ready. C'est le mois de tous les enjeux, de toutes les plus grandes folies. Glossy Box soutient la shopping diva qui sommeille en vous avant et pendant la grande course. Qu'est celle des fêtes? Course? Qu'est celle des fêtes de fin d'année? Préparez-vous en beauté. Donc ça, c'est pour tout ça, pour vous préparer pour les achats de fin d'année. Voilà. Spoiler alerte, le mois prochain vous réserve de très belles surprises festives enveloppées dans un coffret collector. Restez connectés sur vos réseaux. Donc voilà ce qu'ils vous promettent. Donc voilà les filles pour la Glossy Box du mois de novembre. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. Moi je suis contente de faire toujours des découvertes. Donc voilà, c'est quand même 15,50€ que vous payez. Mais voilà, vous l'avez bien remboursé quoi. Peut-être que c'est des choses que vous n'achèterez pas, quoi. Voilà, une découverte d'un mascara, d'un vernis, une pince en cadeau. Donc, ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore les surprises. Donc, voilà. C'est Noël avant Noël, chaque mois pour moi. Donc, voilà, quoi. Je vous fais de gros, gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, donc, si vous l'avez aimé, de partager et de vous abonner. À très bientôt, les filles. Bye, bye.